Hello! Petit message avant de commencer cette vidéo, juste pour vous dire que tout ce que vous allez voir s'est passé sur ma chaîne Twitch. Le nom s'affiche à l'écran et il est également dispo dans la description. Je vous invite à aller me suivre pour ne rater aucun de ces délires. Pendant ce confinement, je fais beaucoup de lives et vous pourrez rester informé de toute mon actualité. Je fais par exemple beaucoup de lives avec Actuan, mon Ray, que vous avez vu beaucoup de fois dans mes vidéos en voiture, avec Calevis, un ami avec qui je faisais beaucoup de vidéos au début de ma chaîne. Bref, tous les liens sont dans la description, je vous invite à aller voir tout ça. Et également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous et c'est parti! 1, 2, 3, yo! Yo, yo, yo! Quel enfer, quel enfer ce live! Bon, je vous explique un petit peu ce que j'ai à ma disposition. Bah même je vous explique déjà depuis le début pour ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui on est là pour me couper les cheveux parce que comme vous pouvez le voir ça devient critique. Donc j'ai à ma disposition tout un tas d'instruments. Donc on commence par le classique, on a la petite tondeuse qui est juste ici. Ok. On a ensuite, bah ça c'est mon rasoir habituel, c'est pour la barbe, parce que je vais quand même essayer de la tailler un petit peu je pense. On va essayer de faire quelque chose de propre, donc j'ai mon rasoir. On a une paire de ciseaux, je sais absolument pas si je vais m'en servir, mais on l'a, donc c'est tranquille. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça peut-être que certains ne connaissent pas. On a un peigne magique. Je sais pas comment c'est le nom, mais moi j'appelle ça un peigne magique parce que c'est ça qui va vous faire prendre conscience à quel point il est temps que je me coupe les cheveux. Laissez-moi vous expliquer. Là, vous regardez ma coupe de cheveux, vous vous dites franchement pas mal, beau gosse un peu, tu sais, genre c'est tranquille quoi. Enfin, peut-être pas beau gosse, mais vous vous dites ça va quoi, c'est pas non plus critique comme il le dit. Laissez-moi vous dire qu'avec ce peigne là, il y a zéro van hein, dans ce que je vais vous dire. Zéro van, je ressemble à ça avec ce peigne magique. Toutes les personnes qui pensent que je troll là et qui se disent mais non, mais tranquille, je pense que t'en fais des caisses. Je vais vous montrer un truc, écoutez-moi bien. J'ai jamais montré, même à mes potes ne savent pas, là c'est vraiment la totale découverte. Vous allez découvrir quelque chose que je cache depuis des années. Là, ce que je vais dévoiler, c'est honteux. Hein. Ok, c'est parti. J'arrête de brandir ce peigne pour rien. On y va. Vous êtes prêts? On est parti. Ok, du coup, voilà, c'est un peigne qui est utilisé pour agrandir les cheveux comme ça. Je sais pas si vous voyez. Enfin, pour les démêler en fait. Sauf que vous allez voir que quand on les démêle au fur et à mesure. Oh là là, mon dieu, je regarde leur son, c'est horrible! Oh la vache! En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de très grandes chances, hein. Il y a de très grandes chances qu'on fasse un road to le pote d'Arnold à ça, en fait. Hein. À mon avis, ça va être une transition entre les deux dessins animés, vous allez voir, c'est waouh! On replonge en enfance tous ensemble, quoi, ça va être dingue. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelait Franklin avant. Pourquoi on me disait tout le temps, oh, tu ressembles à Franklin la tortue, et pourquoi je disais tout le temps, oh, mais va te faire enculer? Vous voulez que je vous dise un truc? D'habitude, quand je vais chez le coiffeur, là, c'est le moment anecdote. Allez, on fait un petit jingle anecdote pour YouTube. D'habitude quand je vais chez le coiffeur, il y a toujours un moment où il sort ce peigne là. Et quand il sort ce peigne, c'est toujours le moment où je suis comme ça assis, tu sais. Et genre je regarde autour et je suis là genre Attendez juste deux minutes. Je regarde s'il y a pas un abonné dans le coin. C'était ma hantise. Ça fait des années, ça fait 2-3 ans que quand je vais chez le coiffeur, volontairement, je vais esquiver tout type d'abonnés pour qu'ils évitent de me prendre en photo dans cette condition. Et là, je me dévoile à nu devant toutes ces personnes là. Et j'ai même pas assez de hauteur. Vous savez que ma caméra, je l'ai volontairement remontée. Oh là là! Mais ma tête, c'est pas possible! Oh là là, je me regarde dans le retour, mon dieu, mais quel en... C'est une horreur, c'est une horreur. Et en plus ça va être le geste super technique parce que quand je vais chez le coiffeur, d'habitude il raccourcit un petit peu cette touffe là. Et donc du coup, il prend la tondeuse comme ça et il fait un geste super technique. Tu sais, il est comme ça dans le vent et il fait un zou. Et du coup il enlève les cheveux, tu vois. Et jamais je vais réussir à faire ça, c'est impossible. Bang bang, wouh. Mon dieu, bon ok, on arrête de s'extasier là-dessus. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis une vidéo de côté. Le gars c'est juste le boss en fait. Il apprend comment faire un dégradé, j'ai tapé sur YouTube. Voilà, j'ai pas honte de le dire, j'avoue, j'ai tapé sur YouTube tuto dégradé débutant. Et je suis tombé sur un gars qui avait l'air ultra pédagogue dans sa manière de fonctionner. Et là on va se la mater ensemble, petit à petit, étape par étape. Et on va essayer de suivre ses conseils, ok. On est sur la chaîne de Sergio Lopez. Il a fait une petite vidéo dans laquelle il explique explication d'un dégradé à blanc en 5 minutes. Regardez ce beau dégradé là, moi je veux la même chose hein. On repart avec la même chose. Vous allez voir Sergio, vite ma mère Sergio il va me dire, lui c'est le sang. Donc faut savoir que généralement le dégradé, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu bien sûr. Il y a l'éclairage qui est très très important. Il y a aussi l'implantation des cheveux de la personne. Et il y a aussi la forme de la tête. Tout ça sont des paramètres à prendre en compte. Attendez mais moi il est en train de me faire peur là du coup là. Comment ça la forme de la tête, ça change pas en fonction du dégradé là? En plus moi on m'a toujours dit que j'avais une grosse tête genre. Avant même que je sois youtubeur on me disait déjà ouais t'as une grosse tête frérot. C'est quand même dingue. Donc voilà, alors on commence okay. Avec la ligne directrice. Je viens la tracer avec ma tondeuse de précision. Alors j'enlève mon casque. On met pause sur la vidéo de Sergio, ok. On va tester sur le côté. Les gars, je vais regretter instantanément au moment où je vais couper. En plus, je vais foutre des cheveux partout. Je vais regretter instantanément. Bah, on est parti, hein. Première fois que je me coupe les cheveux de toute ma vie. En vrai, il faut faire le trait un peu au-dessus de l'oreille. À peu près comme ça, genre. Donc lui, il fait juste un trait au début. Oh la vache. Allez, c'est parti, il faut se lancer un moment. Oh non. Oh non. Mon dieu. Comment ça plus bas? Mais non mais lui il commence plus haut. Plus de retour possible. Non mais les gars, arrêtez de me faire peur comme ça. En vrai, ça coupe comme... Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Oh là là, mon dieu, quel enfer. J'avoue, je l'ai peut-être fait trop déjà. Je continue, je vais commencer plus bas. Au pire, ma barbe, je la réajusterai. Au pire, vas-y, je réajuste. Comment je fais ça? Je suis en train de me créer des rouflaquettes, mais comment c'est possible? Je suis pas certain.
Je suis pas certain que mon coiffeur il commence comme ça. T'es foutu. Arrête. Mon rail, qu'est-ce que tu racontes? Non, en vrai, attendez. Mais non, mais comment? Mais je pense que c'est juste une illusion, non? C'est mort là. Mais n'importe quoi, vous êtes grave américain. Je crois qu'il faut que je le fasse au miroir, j'y arriverai mieux. Parce que là, je suis sur le retour de la cam, mais du coup, c'est en mode miroir, donc tous mes gestes sont inversés. Ok, je vais essayer, ok? Ah, ça marche grave mieux au miroir. Oh, regardez! Eh, là, le tri, il est tout droit. Il est carré. Il est carré comme Jaja, là. Eh, mais les gars, mais je devrais juste tourner une séquence pour Next. Si je refais une vidéo Next, là, je suis sur fond vert en plus. Je fais juste un truc comme ça où je pose et je fais Kevin! Oh, ça me tend. Ça me tend au plus haut point. Là, on part sur quelque chose d'infernal. Et ma mère est sur le live, je crois. Ma mère est sur le live. Et maman, tu te souviens toutes les fois où tu me coupais les cheveux et que je disais oh, ouais, merci maman, c'est bien. Bah, je crois que tu faisais quand même quelque chose de pas trop mal, hein. Mais là, on arrive dans la période infernale, là. Comment je fais? On dirait genre je suis en train de faire un cosplay de Sonic. Par contre, eh, attendez, c'est droit comme un piqué par contre, hein. Pas mal en vrai, ça va être lourd, franchement ça passe. Ok, bon ça va, vous êtes cool avec moi. Vas-y, je prends pas le miroir, je vais essayer avec le retour, c'est beaucoup plus simple pour moi. Ok. J'ose pas. On dirait que j'ai v'là le mulet. On dirait que j'ai v'là le mulet. Ouais, alors, gonzesse, alors. Oh mon dieu. C'est dur là, c'est dur, je sais pas comment faire, attendez. Ouais, c'est trop technique. J'arrive pas à bien mettre la tondeuse. C'est dégueulasse là. Mais je vais jamais pouvoir faire un trait droit, hein. Ça va être compliqué je crois. Vous trouvez ça comment? Vas-y, attendez, il y a un sondage en cours là. Je suis curieux de voir un petit peu comment vous trouvez ça. Trouvez ça comment? Bien, mal. Hé hey, 70% de bien. Waouh, vous êtes en train de me mettre en confiance. Ok, faut que je continue à croire en moi. Et vous croyez en moi, je peux pas vous décevoir. Ok, on continue. Il bouffe mes cheveux, j'en étais sûr. Il bouffe mes cheveux. T'es bête ou quoi là? Regardez, c'est mon petit Simba là. Everybody put your hands up. Ouais. Oh, il me fait des bisous. J'essaye, vous avez vu, hein, j'essaie de vous détourner un petit peu l'attention, de détendre l'atmosphère. Parce que j'ai vu qu'il y avait 75% des gens qui disaient que pour le moment c'était bien. Et ça met une petite pression, je vais pas vous mentir. On va continuer, hein. Là, il faut épurer un peu là. Wesh, mais pourquoi j'ai autant de poils dans le cou là? C'est quoi ce délire? Attends, chaque fois la coiffeuse elle voit ça là? J'y arrive pas. Wesh, waouh! Oh, je viens de me faire trop mal. Attendez, c'est mon moment un peu chouchoute qui ressort là. Mais si, je me suis coupé, regardez. Je me suis fait un suçon. C'est pas du sang. Je me suis fait suçonner par la tondeuse. Mais comment c'est possible un truc pareil? Je suis le seul gars qui se met en sang avec une tondeuse. C'est pas normal, hein. Normalement, tu fais ça avec le rasoir, pas avec une tondeuse. Mais comment tu fais là? Putain, c'est comment ils font les gens? Sur Twitter, j'ai vu tout le monde faire des beaux dégradés. Comment ils font ici là? J'y suis allé au talon là. Là, c'est l'heure de vérité. Je vais d'abord vous le montrer et je vais regarder après. Vous me dites sincèrement, ok? Ça a l'air ok, non, en vrai? Ça a l'air ok de ouf. Je vais partir de l'autre côté là, je pense. Il est temps d'intervertir et de se mettre de ce côté là. Oh là là. Oh là là. J'ai fait une dinguerie là, non? Ah ouais. Oh, vous voyez pas? J'ai fait de la merde de ouf là. Je vais essayer de me rattraper dans le miroir. Ah mais là, c'est beaucoup trop là. Ah mais ouais, mais là. Ah mais là c'est terminé pour moi. Mais qu'est-ce que je fais comme live là? What the fuck? Faut que je me... Alors attendez. Là en gros faut que je fasse 1 cm au-dessus. Comme ça. 1 cm c'est beaucoup un peu non? Par rapport à ce qui me reste de cheveux. 1 cm c'est genre ça. Ok, on essaye, je devrais pouvoir y arriver, ok? Ok, c'est parti, j'essaye. Je vais finir avec une coupe au bol là. T'as l'air inquiète. Pourquoi t'as l'air autant inquiète? Non, il y a une diff. À la caméra ça se voit pas trop, mais en vrai il y a une diff. Ouais, c'est vrai que la... Attends, vous mettez le doute du coup. J'avoue que... Là je crois que j'ai fait la... Mais un sabot. Mais normalement je suis réglé sur 3 mm, je comprends pas. Attendez, je crois qu'il y a... En fait je crois que là j'ai fait à blanc depuis le début en fait. Attendez, il y a Jordan qui m'appelle. Ouais Jordan, je suis en live là. Ouais gros, ça va, ouais je sais très bien, je suis en train de voir là. Ouais, dis-moi ce qui se passe. Bah c'est mort là non? Ben... En vrai là je crois que je viens de faire de la merde, hein. Non bah franchement, je peux te dire, moi j'ai un pote d'un cousin qui est coiffeur. Ouais. J'ai appelé là. Ouais. J'ai mis en FaceTime, je lui ai dit d'aller sur ton live et tout. Ouais. Il m'a dit ça c'est rattrapable normalement. Ah ok, donc ça va, je peux peut-être faire quelque chose encore. Ouais, c'est rattrapable, ouais. Faut que tu laisses pousser 3-4 mois et normalement. Ah putain de merde. Donc 3-4 mois je laisse pousser et après c'est bon quoi, c'est good. Ouais, tu laisses pousser 3-4 mois et ensuite tu vas dans un salon de coiffure je crois. Et ok, ouais, c'est diagnostiqué. C'est un professionnel qui a fait le diagnostic. Ouais, c'est un professionnel, il a un CAP esthétique. Ah mais là j'avoue que je pourrais jamais faire le dégradé, hein. Franchement là je regarde sur le fond vert, c'est joli, hein. C'est vrai que... En vrai, il va être très haut ton dégradé. Ouais, c'est, je vais me faire un dégradé au-dessus, quoi. Sur la partie haute du crâne, normalement, où je laisse entier, quoi. Mais au pire, si je me fais pas de dégradé, que je rase à blanc sur les côtés et que je désépaissis au-dessus. Bah moi, c'est ce que j'avais proposé, en vrai. Moi, je trouve que ça peut être pas mal, en fait. Je vais essayer. Je vais essayer, mais de base, là où j'étais le moins confiant, c'était au-dessus, parce que je sais qu'il faut désépaissir. Et 100%... Il faut un sécateur. Ah, c'est... Ouais, j'avoue. Oh la vache. Bah vas-y, je vais voir ce que je fais, je vais essayer de rattraper la coupe là. Vas-y, je bah... Ça et je
trop en toi abusé genre. Vas-y, ça me fait grave plaisir. Bah je vais essayer de rattraper ça et on en reparle dans d'ici une heure je pense, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Vas-y, à toutes. À tout à l'heure, beaucoup. Vas-y. Merci. Ah putain. En fait, il fallait mettre le sabot. Oh putain de merde. En fait, il fallait mettre le sabot pour que ça bouge quelque chose. Je sais que je suis un peu con, mais je pensais qu'en gros, je vois, il y a la lame et il y a un truc en métal. Et en fait, je pensais que quand je tournais, la lame en métal, elle se surélevait. Mais en clair, je pensais que ça passait. Quel enfer. On dirait que je suis tellement con là. On dirait que je le fais exprès. Mais je vous jure que non. Vas-y, on continue. Donc là, on essaye encore les 1 cm ou pas là? C'est mort hein, en vrai. Sinon, au pire, je fais les côtés hein. Je fais les côtés à blanc. Genre, regardez, si je fais un truc comme ça là, ça va encore. Je pense que c'est rattrapable. Vas-y, vous savez quoi? On change de plan. Sergio, il avait des très bons conseils, mais je crois que c'est pas possible hein, pour moi. Bon, on change de technique du coup. On essaie de raser à blanc sur les côtés, ok? Excusez-moi. Je retire mes cheveux un peu. Et en vrai, si j'arrive à désépaissir au-dessus, ça sera pas si dégueu, non? En ça, dites-moi là. T'es obligé de raser tout le tour déjà, 100%. Ouais, mais là, non, mais là, je suis d'accord, Linka. Là, Linka, il vient de dire quelque chose de pertinent. Là, je suis obligé de faire le tour du crâne comme ça et de tout raser. Je suis obligé maintenant, c'est trop tard. J'ai trop fait de la merde. Attends parce que là, oh la merde, attends parce que là je crois que j'ai fait un peu de la merde là. Ouais, après en vrai vu, ouais ils vont retomber dessus. Non mais mes cheveux ils vont retomber comme ça, donc ça se verra pas en vrai. Là on a deux doigts de lâcher l'expression qui fait le malin tombe dans le ravin. Mais là en fait faut que j'aille comme ça, pas plus haut qu'ici. Maintenant que j'ai ma main j'ai juste à raser normalement, voilà comme ça. Ça a l'air ok là non? Ça a l'air ok de ouf. Pourquoi c'est pas ok, ça a l'air ok? Bah ça va non? Genre en vrai ça va, allez arrêtez un peu là. Regardez, si je fais ça comme ça, là ça va non? ND, vas-y vous êtes des putes. Mais soutenez-moi un petit peu. Bon maintenant la vraie difficulté, ça va être de faire comme il faisait mon coiffeur. En gros il prenait la tondeuse comme ça, et il faisait... Et en gros il égalisait comme ça, parce qu'en gros il y a pas de sabot. Genre là c'est beaucoup trop haut pour mettre un sabot là-dedans, donc je suis obligé de dégrossir un peu. Je vais essayer, ok? Wow, c'est technique en vrai, hey, c'est pas trop mal. En vrai de vrai c'est pas trop mal. Oula. Attends, là j'ai grave coupé, qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Pourquoi ça? Mais attends, mais comment c'est? Attendez. Putain, je crois que j'ai fait v'là le trou au milieu. Non, je crois que c'est juste mes cheveux. Non, ouais, voilà. Ouais, mais mes cheveux ils sont horribles, ça met des feintes un peu. Là, c'est pas mal en vrai, hein. Regardez ça là. Eh, hey, à la coupe. Oh là là, regardez ça là, le petit mouvement de tête plus. C'est pas mal en vrai. Eh, hey, en vrai, regardez. Voilà, je suis trop. Alors là, je suis content de ce que j'ai fait. Et là, du coup, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que genre, j'essaie de faire en sorte que ça aille tout droit. Enfin, tu sais, que genre. Aïe, oh, je viens de m'arracher un cheveu là. Tu sais, genre, je remonte pour égaliser et que ça arrête de dépasser sur les côtés. On essaye avec le sabot. Là, c'est le moment. Non, mais là, ça me semble bien en vrai. Eh, hey, dites ce que vous voulez, hein. Mais moi, ça me semble plutôt propre en vrai. Ça va pas du tout, ça va pas trop là non? Prends une paire de ciseaux. En fait je vous cache pas que les ciseaux, déjà en fait moi je suis gaucher donc ça va pas couper. Et je vois pas trop comment tu veux que je fasse Ah les ciseaux c'est pas une si mauvaise idée. Je vais essayer de la main droite. J'y arrive pas. Oh j'ai eu peur hein. Je vous cache pas qu'il y a eu une petite frayeur là quand j'ai entendu le gros bruit. Les ciseaux, je le sens un peu mal parce que les ciseaux, je vous vois vous alarmer dans le chat en même temps. En fait, les ciseaux, j'ai peur parce que c'est un peu radical. Genre, je sais pas comment expliquer, mais il faut être précis un peu dans l'orientation des ciseaux. Et là, tu vois, je me rends pas compte de ce que je fais. J'ai coupé beaucoup là ou pas? Non, ça a l'air d'aller encore. Mais par contre, bon, c'est pas très égalisé, mais c'est pas trop mal non plus. Mais je pense qu'il faut faire un peu plus court au-dessus là. Faut essayer d'égaliser un max. Là j'ai plus de cheveux du tout. Ça fait parfait. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus de cheveux du tout. Ah oh, je rigole à moitié. Je tire dessus comme si ça allait repousser. C'est un nid, je suis mort. Mais non. Regardez, on voit carrément un bout de mon crâne et tout genre. Je ressemble à rien, putain, on dirait un balai, un brosse à chiottes là. Bon on arrive à une impasse les gars là. Mais le grand sabot. Mais le sabot il changera rien les gars. C'est trop tard pour le trou. Je suis juste full con en fait. Mais c'est à 15 avec le sabot, ok? Ça bloque de ouf. En fait, je sais pas, il y a un problème, ça veut pas marcher. Faites le choix pour lui. Comment ça faites le choix? Attends, c'est quoi ce sondage qui vient de pop là? Il rase tout, oui ou non? Ouais, mais vous allez forcément mettre oui. Vous voulez me voir? La boule à Z genre. Regardez la tondeuse gros. Elle ne veut pas couper. Oh non, c'est trop hein. Mais je me regarde dans le retour, je ressemble à R. Et le pire c'est que j'ai même pas envie de me raser le crâne parce que j'ai le sentiment que ça va être horrible. Vous me voyez chauve là? Putain, j'avais fait exprès de laisser pousser ma barbe, je l'ai pas taillée et tout, genre elle est dégueulasse là. On fait chauve ou pas? Attends, qu'est-ce qu'a dit Thomas? Si tu gardes la barbe, chauve ça tirait bien. Attendez, parce que là j'ai un fat trou ici, c'est mort là. Là ici c'est mort, c'est vraiment tout court genre. Ok, bon vous savez quoi? Vous savez quoi? La voix tremble en toi, je suis pas bien du tout. Genre je me regarde là et je me dis mais c'est trop tard, je suis éclaté. En plus je sais pas, je connais la forme de mon crâne, ça se trouve elle va être dégueulasse. Mets la musique de Jojo. On met la musique de Jojo là. Vous êtes prêts? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Quel enfer! Mais quel enfer!
J'ai coupé la musique. Et je vous jure que c'est bizarre. Hein. Mon cœur il bat super fort, genre. Ah, ça y est, je me visualise chauve là. Oh la vache, ça fait bizarre. Bon, on termine. Allez, on termine. On termine maintenant. Oh là là, quel enfer. Oh, je crois qu'il y a un crâne plat de ouf. T'as l'air beau. Bah évidemment t'as pas fini. Mais c'est bizarre de dire comme ça, t'as l'air beau. Tu pourrais dire tu es beau. Bah tu es beau quand tu seras toi. Ouais le t'as l'air beau il reste au travers de la gorge quand même là. C'est un échec. Oh, ça fait tellement bizarre de passer sa main sur le crâne du haut, le dessus du crâne. Mon cœur il palpite genre. Ça me fait trop bizarre de me voir comme ça. Genre franchement c'est une expérience à faire. Non. Oh là là j'ai envie de me tendre, on dirait Mickey. On dirait Mickey Mouse. Oh là là c'est horrible. On dirait Pouka. Oh là alors vie de ma mère il y a une transition Pouka regardez. On dirait Pouka les frérots. Waouh. Allez, let's go. Allez, on termine tout ça là. Y a pas de. En vrai, j'ai une forme de crâne où ça va, non, un peu. Ça va, je trouve. Je suis en train de craquer nerveusement. Je vous jure que je me retiens de prendre un fou rire nerveux. C'est la première fois que je suis chauve. Enfin, que je suis rasé à blanc. Ah ouais, derrière. Attendez. Mais pourquoi tu dis ça? Mais respecte-moi. Mais non, mais c'est du temps des samouraïs, ça. Ça, c'est mon âme de samouraï un peu au fond. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air rappeur un peu. Faudrait juste que j'ai quelque chose de plus bresson en moi. Là, ça le fait un peu comme ça. Regardez, ça fait un peu le Mac, genre. On rappelle qu'il reste la barbe enlevée et il y a un truc qui va vous choquer. J'ai une tête d'enfant sans barbe. Ta mère, elle a dit que ça t'allait bien. Ouais, si c'est maman qui l'a dit, c'est ok, mais maman elle est pas très objective aussi. Tu veux que je te raconte une vraie anecdote? Ok, c'est l'instant anecdote. Une fois au collège, je suis désolé maman, mais il faut que je raconte cette anecdote. Une fois au collège, ma mère elle m'a coupé les cheveux. Et je sais pas pourquoi. Vous voyez les deux couettes que j'avais de Pouka là? Et ben on en avait laissé une ici. Et on se disait que c'était ok, hein. On avait fait ça. Alors c'était pas aussi court mes cheveux, mais on avait laissé un truc de merde comme ça là. Et je suis allé au collège comme ça les gars. J'ai regretté, hein. Le soir même j'ai tout rasé. C'était si honteux, mais si honteux. Tout le monde me regardait, tout le monde disait mais mets-toi de côté. Parce que de côté du coup il y avait juste la boule comme ça, tout le monde me regardait. C'était horrible. Horrible. En vrai tu t'en tiens bien, t'as un crâne rond. Regarde Domingo après The Event quand il s'était rasé. Aïe aïe aïe. Ça à balles réelles. Bah, je suis assez content de... Assez surpris et assez content, en fait, du résultat de mon crâne, je vous cache pas. Mais il reste la barbe. Je vais avoir l'air d'un gamin de 6 ans. La barbe, les gars, la barbe, ça repoussera. J'ai envie d'enlever ma barbe juste pour voir jusqu'où je peux aller là. Je veux me voir à nu. Vous comprenez ou pas? Maintenant que j'en suis là, mais arrêtez de me dire garde ta barbe. Maintenant que j'en suis là, j'ai envie de voir à fond là. Bah, vire les sourcils. Non, pas les sourcils. Les sourcils, on vire pas. Les sourcils, on garde. On va jusqu'au bout de ce stream. De toute façon, on avait dit que si on se fail, c'était barbe plus cheveux. Donc, on tient parole. Ok, c'est parti. Oh là là, ça... Oh, ça me fait une peau de bébé. L'erreur, mais les gars, ça repousse. Quel enfer, qu'est-ce que c'est que ce stream? Et je change de tête. J'ai l'impression que c'est plus moi. C'est trop bizarre, genre. Allez, plus rien, on rase tout. Mister V. Ah non, les frères, oh non. Mister V, il a plus de dégaine, quoi. Tu lui mets une boucle d'oreille, une casquette. Peut-être avec une casquette, mais là, non. Oh, regardez cette tête. Oh, je reconnais ma tête d'enfant de 2016, là. Oh là 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 là. On dirait Mario. Par contre, je respire. Je respire de ouf. On va raser tout ça parce que sinon, ça n'a aucun sens. Bon, je le fais à la zone, hein. Mais nique sa mère. Oh, quand je vais enlever la moustache, ça va être le pire. Oh, j'avoue. L'Inca. Je sais pas s'il est encore là. Je la fais 2 secondes. Attends. Oh là. Tonio. Ah la vache, ça me termine. Tous ceux qui ont la ref Animal Crossing là, je suis en train de craquer. C'est plombé tous les beaux films de cul là. Et alors, oh, putain, j'ai une tête de beauf là. Vas-y, on rase ça là. J'ai ma tête d'enfant qui... Oh là là là, mon dieu! Oh mon dieu, ça y est, c'est trop! J'ai vu ma tête d'enfant. Là, je vais rechoper mes 18 ans, vous êtes prêts? J'ai envie de tout cut là, j'ai envie de tout cut, je vous jure, je suis en train de suer du cul, regardez ma tête, on dirait que j'ai 18 ans, frère. Genre là, vraiment, hein. Vous me connaissez pas? Et là, vous voyez ça, un mec dans la rue comme ça qui arrive. Ouh, trop hâte d'aller en DS de maths. Mais Madiba, on est d'accord gros? On dirait que j'ai 17 ans et je n'ai pas évolué, ma tête n'a pas changé. On rappelle que j'ai 22 ans, hein. Waouh. Ah bah les gars, alors là c'est une surprise, hein. Bon maintenant. Maintenant quoi? Parce que combien tu te fais un trou dans le sourcil? Avec un reverse si tu veux. Ah, avec un reverse? Attendez, là on a une dinguerie. Mais un trou ou pas, genre tu traces tout le sourcil? Non, un trou, une césure. Ah là, Jules. Ouais. Jules, il a des trous dans son sourcil. Ouais, tu vas voir le seum toi si t'as un sourcil coupé. Tu vas voir le seum. Hot 4. Ça? Allez, vas-y, je fais le décompte. 1, 2, 3, 4. Oh là là ! Non ! Je vous jure, sur la vie de ma mère, que c'est pas préparé. Mais c'est une blague ! Oh putain de merde ! Si tu veux pour te soutenir, je le fais quand même. C'est vrai ? Oui, je m'en fous. Ok, tu le fais quand même. Ah oui ? Ah, je t'enterre avec moi. Tu descends plus bactère. Tu le fais en premier ? Vas-y, tiens. Tu veux ça ? Ouais. Vas-y. Putain, je pensais vraiment gagner. Je suis dégoûté. Attends, mais là, c'est le meilleur moment du live. Vous voyez pas, mais ma meuf se rase le sourcil.
La gitane. Non mais t'as pas honte? Quoi? Tu me dis moi je suis une gitane? Bah ouais. Et toi? Bah ouais. Bah on a un couple de gite face. Je le fais où moi? Je le fais là ou je le fais là genre? Tu veux le miroir? Ouais je veux bien le miroir. Parce que là je rigole pas avec ça. J'y rigole pas avec le sourcil. Ok. Oh, j'ai trop peur sa mère, putain. J'ai archi peur. Ouais, je peux pas faire ça. Mais regardez, comment je vais faire? Ah non, mais vas-y pas comme ça. Pourquoi vas-y pas comme ça? T'as fait un big trou. Bah qu'est-ce que tu me parles? Mais c'est une blague ou pas? Bah ouais, mais comment je suis censé savoir, moi? Fais voir comme ça. J'espère que ça repousse par contre parce que vite ma mère là je... Mais je vais dans la rue comme ça et tout genre. Attendez, j'ai l'inquiet qui m'appelle. Ouais, allô gros? Ouais Théo? Ouais. Il faut que tu lâches cette tondeuse maintenant. C'est bon, tout est au sol. Oh, ça putain. Fait vraiment beaucoup là. Ouais là j'ai déconné hein. Je ne te reconnais plus. Qui êtes-vous? Rendez le vrai mastu. Bon, mais franchement, de toute façon, c'est trop tard, donc je vais pas te dire de choses pour planter le couteau encore plus, mais... Mais quoi? Non, rien, gros. Vas-y, va au bout de tes pensées, qu'est-ce qu'il y a? Ça t'allait bien jusqu'à ce que t'enlèves ta barbe, ta moustache et ton sourcil. Mais ça repousse, enfin, le sourcil, ça mettra un peu plus de temps, mais la barbe, ça va repousser. En vrai, vous allez pas trop me voir comme ça, au final. Hein. On dirait rien que je connais, en tout cas. Ouais, j'ai jamais vu ça. C'est une espèce non identifiée, je crois. Bon, bah, bonne chance. Vas-y, merci, gros. À toutes. À plus. Il y a des très beaux montages de toi déjà sur Twitter. Alors on va aller faire un tour là, je vais aller regarder. Je vais aller regarder tout ça. Vas-y la bise. Waouh, ça fait mal. Et c'est trop bizarre. Alors là c'est incroyable. J'ai l'impression d'être un autre youtubeur, c'est plus moi. Bon bah c'est parti, on découvre tout. Hein. On dirait un montage, il a juste pas de coups, il y a aucune vanne. Enculé. Un visionnaire, c'est stylé de ouf. Oh putain de merde. Même moi j'aurais fait mieux. Henri, enfoiré. Je suis même pas sur le hashtag. Ah là là, on est entêté et tout. Putain, quel bordel. Ah putain. Il a osé dire en vrai, c'est ok. Ah oh, c'est dur. C'est super dur. Et mais venez, faites tous pareil là, les streamers un peu là. Au lieu de vous moquer là, rasez-vous le crâne un peu là. Et Linka, rase-toi le crâne. Bah Action, c'est déjà fait. Kalevis, rase-toi le crâne aussi là un peu. Il a osé dire en vrai, c'est ok. Ah putain. Ça va, Mastumer. Oh mon dieu. Quel enfer, t'es giga frais. C'est trop. C'est trop. Oh, j'ai mal au ventre, toujours plus. Oh putain, tartin, très fort. C'est pas si mal le nid en fait, mais putain de merde, tout marche. Monsieur ressemble à ta pourrie Ikea. Ouah, j'ai mal au ventre, sa mère là. Waouh. Oh, Vivi qui a commencé à faire des croquis. Oh là là, Vivi qui a fait des croquis. Au début du live, il avait l'air si confiant. Putain, c'est vrai que je ressemble à ça au début du live un peu. Bon là, c'est un croquis, mais ok. Ensuite, à ça de la catastrophe. Ouais, déjà là, en vrai, on va pas se mytho, je ressemblais plus à rien. C'est ok, c'est bon, j'ai plus le souffle. Ah, il s'est chauffé, Vivi, il a fait tous les dessins. Par contre, il est trop chaud. Il est trop chaud. Quel enculé. Ah, bande de bâtards. Ils me tendent tous. Ils me tendent, mais c'est lui. Mais c'est que lui en plus. Mais c'est ça, c'est que le roi des rats en fait. Ah, il abuse. Ah, il a fait toutes les comparaisons possibles. Ah, l'enculé. Ah ça me tend putain. C'était fou, merci pour ce moment, bah merci à vous d'avoir été aussi nombreux, c'était incroyable. Bon bah les gars je cut, merci à tous, c'était un réel plaisir. Je vous fais des bisous, entièrement chauve, sans barbe, avec le sourcil rasé. Et je vous dis à la prochaine, allez des bisous les gars, à plus.